Le football américain est méconnu du grand public et fait parfois l'objet de fausses idées. Pour y remédier pour cette nouvelle saison, les Templiers d'Elancourt ont organisé une journée de découverte. Le but, en fait, c'est de faire découvrir en fait, ce sport, faire découvrir les opportunités qu'on pourrait retrouver en faisant ce sport, pour dire aux gens que bah, si vous venez ici, c'est que vous êtes motivés pour faire les efforts qu'il faut pour adhérer à l'équipe. Pendant la journée, les intéressés ont participé à une réunion, un échauffement en salle et une découverte des différents postes sur le terrain. Le club a tenté de faire comprendre que chacun avait sa place. Le football américain, c'est ouvert à tout le monde. Qu'on soit grand, petit, gros, mince, c'est vraiment... En fait, on va utiliser la force de la personne pour le bien de l'équipe. Ces échanges ont aussi été l'occasion de rappeler les règles du sport, un moyen de rassurer les parents comme ceux de Quentin. C'est vrai que quand on parle football américain, on pense choc, on pense physique, plus physique que le foot, que le soccer, comme ils disent. Et du coup, on attend de nous aussi d'être rassurés. Dans les règles, j'ai cru comprendre que les chocs étaient un peu bannis. Il est possible d'intégrer les Templiers dès 14 ans. Ils ont engagé cette année un préparateur physique, une arrivée bénéfique pour tout le club.